Et voici celui qui éclate la Jupy Masterclass, et c'est bien pour ça qu'on lui a demandé de revenir. C'est Monsieur Poulpe. Bonjour. Quelle ambiance, quelle ambiance. Quand je dis d'accord, vous dites ok, d'accord. Ok. Attends, attendez, j'avais pas commencé. Je vous demande. Bon, on recommence, d'accord. Ok. Non, bon, c'est des quiproquos de dingue ici. Attendez, je suis mort de rire. J'ai un fou rire de radio. J'espère que vous êtes content de voir ma bobine par rapport à ma chronique ciné. J'espère que vous êtes content de voir mes pellicules par rapport à ma chronique ciné. J'espère que vous êtes content d'un troisième jeu de mots qui fait un double sens par rapport à ma chronique ciné. La première fois j'étais venu faire une chronique, c'était pour un film de ninja. Alors moi j'adore les films de ninja, je me suis même fait tatouer le mot ninja. Charline, vous pouvez témoigner? Ah bah oui. Voilà. Charline, vous n'avez pas besoin d'évier, hein, vu comment vous êtes rincé l'œil. Bref, vous m'avez demandé de revenir faire une chronique ciné, mais cette fois-ci vous avez bien insisté sur le fait de ne pas faire sur un vieux film de ninja, mais bien sur de l'actu cinéma. Bon, alors on cherche à museler la créativité sur France Inter maintenant. On tue et on muselle la créativité. C'est un meurtre et muselle. Renaud Muselier, bien joué. C'est quasiment des délires à tous les étages. Merci. Merci beaucoup. Bref, c'est parti pour la chronique Actu Cinéma. À l'UGC, les Trois Lions à Clermont-Ferrand, le stand confiserie et produit de petite restauration a reçu une machine à gaufres rotative à chauffage rapide de 1400 watts. Les papilles vont exploser à Clermont. Oui, parce qu'en fait, je fais l'actu des cinémas. En fait, parce que Laurence Bloch, elle a dit, il faut plus qu'il parle de films de ninja, il faut relever le niveau et qu'il parle de ce qui se passe dans les cinémas en France, ce gros con. Ok, Laurence, je le fais, ok, très bien. Donc, du coup, direction du Jean Mestras, Omega, CGR, où tout le hall d'entrée recevra une exposition de peinture d'une artiste locale, Sarah Philibert, qui peint des natures mortes avec de la gouache dedans sa chatte. Du côté du cinéma Le Garrigou à Avignon, on célèbre le cinéma muet au programme des cigales et pas de dialogue. Pendant une semaine, une expérience inédite, la saga Fast and Furious, sans le son et seulement des cigales. On écoute la scène de bagarre quand Vin Diesel il rentre en voiture dans la banque. Waouh, carrément. Ah ouais. Oh, il a écrasé le Colombien, trop fort. Voilà, on continue le tour de l'actu des salles de cinéma en France. Anouk de l'espace gaming du Gaumont Montparnasse a un message à passer à la direction. J'ai pété dans les pop-corn. Merci à nous qu'on vous embrasse. Au CGR de La Rochelle, le film House of Gucci a pris ses quartiers dans la salle numéro 8, juste à côté de l'espace toilette. C'est House of Gucciot ou quoi? Mort de rire, putain, on passe des moments privilégiés incroyables ensemble quand même, c'est vraiment dingue. Passons maintenant à notre rubrique portrait, dirigeons-nous vers l'UGC Mirabeau à Trouville, à la rencontre de Cyril, responsable de l'espace saveur sucrée. Bonjour Cyril, ça va? Oui, bonjour. Ça va très bien, très très bien. On m'a dit que la tendance du moment en matière de confiserie, ce sont les douceurs chocolatées, Cyril. Oui, c'est vrai. Personnellement, j'adore ça. Et alors, quid des bonbons qui piquent alors? Eh bien, monsieur se dirigera plus vers les crocopiques, alors que madame préférera les caranougas, plus réconfortants en cette saison. Excusez-moi, Cyril, j'ai un doute en fait, je crois qu'on a reconnu votre voix. En fait, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment Cyril? Oui, j'ai menti. Je suis Shiryu Daisuke. Je suis un ninja. Ah! Je croyais que c'était une chronique d'actu ciné. En fait, on était dans un film de ninja depuis le début, dit. J'en crois pas mes yeux, les ninjas sont partout. Ils viennent même voler notre travail. Voilà, chère ninja, j'ai fini ma chronique. Vous pouvez m'essuyer. Merci Monsieur Poulpe. Oh, bah de rien. Oh là là, vous revitalisez la culture sur l'antenne de France Inter. L'important, j'adore. C'est qu'on ait envie d'aller au cinéma. Mais oui, c'est vrai. Et c'est le cas. Et c'est le cas. C'est vrai. Merci. Et là, je pense que Laurence Bloch, elle a aimé, je pense. Ouais. Ouais. Bah, ouais. Moi, je viens pour repulper. Bloch, hein. Et pour la collaboration, on remercie qu'on l'a reconnu Michel Drucker. Oui. Oui. Oui, ce bon vieux Michou. Qu'on remercie beaucoup. Merci Monsieur Poulpe. Donc, mais les infos sont vraies. Non, bien sûr, c'est le travail de journalisme. Oui, c'est-à-dire les gens, d'accord, on peut se fier à ce que vous avez dit, avec du Jean Mestras, tout ça, c'est vrai, d'accord. Oui. Ah ben merci, c'est aussi ça, le service public, hein, c'est vraiment rendre service aux gens. Plaisir partagé. Merci.